Monsieur le Président, Monsieur le Haut Représentant, cher Joseph Borrell, la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est effroyable. Des enfants, des femmes, des hommes sont utilisés comme des armes pour déstabiliser notre espace européen commun. Face à cette nouvelle menace hybride, les piliers du projet européen tremblent. L'intégrité de nos frontières communes et nos valeurs humanistes et de paix. Le responsable, plusieurs collègues l'ont dit, s'appelle Loukachenko. C'est contre lui que nous devons réagir avec fermeté. Avec mes collègues du groupe Renew Europe, nous souhaitons qu'une réponse européenne forte, Monsieur le Haut Représentant, et rapide, en soutien à la Pologne et à la Lituanie, adopter des sanctions plus fortes contre le régime de Loukachenko et puis sanctionner les compagnies aériennes qui multiplient les vols vers le Bélarus. Sur le fond, il nous faudra aussi réviser le code Schengen pour établir une réponse rapide face à ces nouvelles menaces hybrides. Et puis avec ma collègue Rosa Thun, je voudrais interpeller le gouvernement polonais qui refuse le soutien de nos agences Frontex et Europol. La protection des frontières extérieures est l'affaire de tous. Je souhaite une union solidaire et unie. Je vous remercie.